cœur de Bénédicte, la petite femelle de Philippe Génada. Nous sommes en 1953. La France entière réclame la tête de Pauline Dubuisson, accusée d'avoir tué de sang-froid son amant. Qui est donc cette beauté ravageuse? Une arriviste calculatrice? Un monstre de duplicité qui a couché avec les Allemands pour ensuite assassiner par jalousie un garçon de bonne famille? Ou tout simplement une jeune fille qui revendique avant l'heure son émancipation? Mené comme une enquête policière, ce récit dissèque la vie et les tourments de cette tragique héroïne. Et le livre est passionnant. Ne vous laissez pas décourager par ces 700 pages. Ne soyez pas découragés non plus par les incessantes mais drôlatiques digressions de l'auteur. Car c'est avec le ton qu'on lui connaît, décalé et irrespectueux, que Philippe Génada revient sur une affaire judiciaire de l'après-guerre qui déchaîna les passions du public, de la presse et des prétoires. Le travail documentaire effectué par l'auteur est titanesque. À la fois enquêteur, avocat et chevalier blanc, Philippe Génada signe une plaidoirie pleine d'empathie en faveur de Pauline Dubuisson, rejetée parce qu'elle ne se pliait pas aux conventions et que la bonne société a condamnée pour se donner bonne conscience. Si cette lecture vous tente, vous trouverez le livre à la BU en salle de lettres. Alors, bonne lecture !